Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bah aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de Saint-Estèphe. C'est un étang où on peut faire le tour à pied, voilà, c'est un petit endroit sympa. Donc on va vous montrer ça. To my old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh, changed when you left. I keep on asking myself in my mind, were you the one that got away? Moved a few times but ended up in Nashville. Tried to settle my restless soul. Got a job that felt like forever when I met you. Life was music and I was your wife. Time flies and the years went by. Still I tried. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh, changed when you left. Maman, tu te souviens du super pare-choc qu'il a mis des jours à faire parce que il a fallu le faire avec de la fibre, et bah oups, il paraîtrait qu'on n'a pas un 4x4. Je savais pas, on me l'avait pas dit. Jumped the fence before the summer begins, and getting cool in the summer heat with you, my sweet. Sitting in the back of your car, wishing for this road to take us far. Now I've been way too long, I'm going home. Oh, sweet memories of a town I love, but oh,
out, tiger. Call me out, why don't you laugh? Lift me up higher, above the clouds, won't you laugh? When the scenery is right, go right in. I wanna fall deep within. Don't leave me hanging just 'cause I'm too proud. Whisper away my outdated doubts. Somebody do me the courtesy, dress me down. I'm not that old yet I'm far too young to not stand my ground. Vous avez vu quand même. Quand même. Mais c'est pas grand chose. Elle a pété mon pare-choc. Si, elle a pété mon pare-choc. Mais c'est pas grand chose. Bah si, quand même. Bah il est encore sur le camping-car. Hein. Bah, il y a des fils pare-choc. Bah il était mal fait. Il frottait. C'est pas un 4x4 le camping-car. Ça je sais. Non mais sérieux, t'as tout pété là. Mais non, tu vas réussir à le remettre. Mais si. Je sais pas ce qu'il faut y faire, mais... Un chewing-gum pour le tenir. Et j'ai passé plus d'une journée sur mon pare-choc. C'est tout. T'es sûr? Peut-être même une semaine. Ouais, je pense plus. Ouais. C'est ça. Et donc là, faut que je recommence. Faut tout démonter. Non. Pour refaire la patte derrière. C'est vrai, faut tout démonter. Bah oui. Il est tout pété de ce côté-là. Ah ouais. Non. Il suffit juste de leur soumettre. Bah ouais. Mais si. Bah ouais. C'est pas fait pour monter les talus, hein. Ouais, bah ouais. Pas le boulot. Non, parce qu'il faut savoir quand même que le pare-choc, il n'est pas d'origine sur Gigi. Bah à ouais. La base, c'est un pare-choc d'Iveco que j'ai coupé en deux pour pouvoir l'assembler de façon à ce qu'il s'adapte sur Gigi. Donc, j'ai passé bien une semaine à le fabriquer. Et là, en deux secondes, quoi. De pare-choc. Enfin, si, encore, mais il est cassé. Tu t'en étais pas rendu compte? Là, si, maintenant. Tu t'en étais pas rendu compte? Je m'en fous. Je monte de l'autre côté, je monte pas pareil. Tu t'avais pas vu. T'as mis du temps à voir. J'ai pas assez de boulot encore pour. Non, mais sérieux. Mais ça te fait rire. Bah, c'est passé. C'est passé. Je l'aurais dit sur le moment, tu l'aurais mal pris. Là, bah, oui, avec le temps, chances, ouais. C'est le temps que tu réagisses. C'est ouais. Plus long. Enfin, maintenant, je me rends compte qu'il faut que je bosse encore. C'est parce qu'il était mal fait. Bah, oui, évidemment. Il est trop bas. Il est trop bas. Non, mais j'ai compris que tu voulais un camping-car 4x4. C'est pas la peine d'essayer avec Gigi de faire du 4x4. Il est pas 4x4. Non, c'est ta faute à toi d'abord, parce que tu l'avais mal garé. Donc, tu l'aurais stationné correctement, j'aurais pas eu besoin de le pousser. Bah si, c'est vrai. Bah oui, mais quand on fait des manœuvres, on fait attention à ce qu'on fait quand même. Mais non, c'est que t'as vu sur le chemin que c'était. Attends. J'avais pas le choix. Hein. Pour laisser la voiture passer, fallait bien que je monte le talus. Bah, le pare-choc, il a pas suivi, là. Ben, non. Non. Mais tu t'en es pas rendu compte et tu t'es pas posé de questions parce que c'est toi qui l'as redéplacé le camping-car après. Bah oui, mais je suis pas passé par là pour. Et c'était des. Bon, bref. Bah, et puis qu'à redémonter le pare-choc, refaire une patte derrière de fixation. Une mieux.
Non, le mieux, c'est éviter les talus, tu vois. Ça, c'est mieux. Ça, la pâte, elle était très bien. C'est toi qui t'es barré aussi, tu m'as laissé toute seule avec les gamins et le camping-car. Et puis les gamins, ils ont pas dit, d'habitude, ils racontent tout. Ouais, mais non. C'est là, ils étaient occupés, ils avaient pas vu. Putain. C'est bien. Non, c'est pas bien, non. C'est bien. D'habitude, je suis au courant de toutes les conneries qui se fait. Là, même pas. Ils s'en sont pas rendus compte. Bon, bref. La seule chose qui les a gênés, c'est qu'ils étaient de travers. C'est tout. Ouais. Enfin, il a un drôle de look maintenant, hein, quand même. Mais non. Hein. Mais oui, il faut le réparer. Bah ça, pour le réparer, oui, il faudra le réparer, ça c'est sûr. On va pas le laisser de biais. Hein. Bah non. La prochaine fois, avant de partir vite avec quelqu'un en camping-cariste, eh ben, tu gareras correctement ton camping-car. Ah, et de me laisser que ça, toute seule, abandonnée avec un camping-car. Bah. Trop grand. Ah bah ça, oui. Trop grand. Pas assez haut, surtout. Non, mais si, je sais le conduire, ton camping-car. Après, bah voilà, hein, c'est rien. Non, non, mais... Et... On va lui mettre une barre devant de... Un pare-buf. Bah si, ça peut le... Hein? Le faire monter plus facilement. Mais il a... Non, il ne montera pas. Non, c'est un 4x4. Mais il est... Il a su monter, hein, de toute façon. Et puis il a su redescendre, non, ben, impeccable. Hein. Mais le pare-choc, il n'est pas remonté, par contre. Mais oui, mais c'était un tout petit chemin. Ah oui. C'est toi qui t'es garé dans une impasse de merde. Bah, je me gare où je peux, en même temps. Bah, la prochaine fois, tu réfléchis. Ah oui, que ma femme va prendre le camping-car pour péter le pare-choc, c'est vrai. Non. Je vais y réfléchir. Mais je gênais. Si, c'est vrai, je gênais parce qu'il y avait une voiture qui voulait sortir. Mais maintenant, je suis gêné aussi. Et donc, du coup, il a fallu me pousser. Et oui, et donc, bah voilà, je me suis poussé. J'ai l'air poussé avec ça. Ouais, mais c'est pas grand-chose. Ah si, parce que pour faire la pâte à l'intérieur et tout, c'était fait à la résine. Mais tu vas pas faire de la résine sur Tracasso? Ah non, j'ai fini. Ah bah merde, c'est con. Parce que, bah si, c'est vrai. Bah oui, c'est con, parce que du coup, tu vois, t'aurais pu faire une paire de coups. T'as pas autre chose à faire en résine. Si, en réfléchissant bien. Un pare-choc de rechange, peut-être. Si tu veux. Bon, bref, mal à boulot. Mais en attendant, t'as mis plusieurs jours pour t'en rendre compte. Qui pendait. En même temps, je fais pas le tour du camping-car tous les matins pour savoir s'il y a un problème. Hein. Tu devrais. Bah, vaudrait mieux, c'est sûr. Vu le boulot. Moi, je le conduis souvent et là, c'était qu'une fois. Mais c'est de ta faute. Ça n'empêche. C'est de ta faute quand même. C'est toi qui casse et c'est de ma faute. Mais oui, c'est toi qui l'avais stationné dans un endroit de merde. J'en démordrai pas. Bah moi, et tu t'es barré en plus. Je comprends pas, moi c'est passé. Mais tu t'es barré. Ah bah oui. Et tu m'as laissé comme ça. Nous, on était dans le camping-car et on gênait. Donc à partir de là, bah faut le pousser, il n'y a pas. Tu l'aurais mis à un endroit qui dérangeait pas, et ben j'aurais pas eu besoin de le pousser. Bah oui, mais j'étais sur une route de merde. J'étais parti aider un autre camping-car sur son camping-car, qu'est-ce que tu veux. Et ben fallait pas te stationner correctement avant. Si, si. T'es pas là quand il faut. Bah voilà. Ouais. Ça t'a puni. Fallait être là. Bon, ça me rend triste quand même. Oh. Tu mets des mouchoirs. Ouais. Ta belle-mère va te plaindre. Vous avez vu ce qu'elle a fait quand même, hein?
Bon. Ben, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur un pare-choc dramatique. Il est pas pété en deux non plus ton pare-choc, je l'ai pas laissé dans le fossé. Non. Dans la dans le talus. La patte derrière elle est pétée. Donc c'est bon. Tu l'as ramené. Parce que ça paraît pas que ça. Ça fait juste ça, hein. Ça c'est sûr. Mais derrière c'est tout flingué quoi. Et t'es trop près de la roue. Si. C'est pour ça. On prend pas du talus surtout. Bon bref. Ça t'énerve. Ouais, ça m'énerve, ouais. C'est pas grave. Le prochain, il faudra 4 parches pour me compter dedans. Non. Ça, je suis sûr qu'au moins, tu n'iras pas me péter les parches. Bon voilà, bah, cette vidéo arrive à sa fin. Bah, sur un dramatique accident, hein, de pare-choc, n'est-ce pas? Donc, on va réparer tout ça, hein. On n'a pas trop le choix. Tu le fais quand? Je fais quoi, la réparation? Bah ouais, parce que maintenant, il peut plus rester que ça. Ah non, ça c'est sûr, mais, bah, avant de repartir avec, hein. Y a pas, hein. Bah oui. Non, parce que tu seras encore capable de me refinguer une deuxième fois, si ce coup-ci, tombe sur la route. Bon, allez, on va vous laisser sur ces belles paroles et puis bah, on vous dit à une prochaine vidéo. Allez, salut à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos. Salut à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo.